voisins là, ils ont une malédiction qui ne finit jamais chez eux. Vraiment, s'il te plaît, si vraiment tu peux convaincre mes voisins là pour qu'ils acceptent, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Le Seigneur est émerveillé, oui, tu comprends, pasteur, maman. Je dis que moi je suis dépassé de mes voisins là. Ils souffrent trop. Jésus, je veux qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Le Seigneur est venu pour que les gens aient... Bonjour voilà. Mes voisins. Hein, je vous amène mon pasteur. Là, c'est le pasteur Joseph. C'est le pasteur Joseph. C'est un évangéliste. Donc, si je l'ai amené là parce que moi, je suis dépassé de votre vie. Comment ça? Votre vie n'avance pas. Il y a juste comme que la king. On n'a pas besoin. Il va y aller, que nous papa, est-ce que vous êtes obligé d'écouter la parole de papa, Dieu? Papa, il faut que vous allez comprendre, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour donner sa vie pour les pécheurs. Mais qu'est-ce qui vous amuse? Papa, Jésus-Christ, la Bible déclare que le Seigneur... Papa, le Seigneur est bon, papa, il faut que tu vas donner ta... Oh maman. Il a même les tagages, voisin. Papa, il faut pas que tu commences à papa. Parce que si tu commences à comme ça, on va se taper. Mais voisin, non, maman, tu commences à faire. Non. Laisse-moi ça. Randa!